wetu Yesu Kristo. Mungu mfalme wetu. Seigneur notre Dieu. Tunakubariki kwa asubuhi ya leo. Te bénissons pour ce matin. Wewe asubuhi hii ushinde nasi. Toi ce matin sois avec nous. Utushindie lolote lililo la udhaifu. Tu viens tout ce qui est difficile pour nous. Uweze kuwa nasi katika neno lako. Sois avec nous dans ta parole Seigneur. Yote itafanywa hapa iwe chini ya uongozi wa Saint-Esprit. Que nous ferons soit sous le sang de Jésus-Christ. Tupewe kibali cha kukuelewa. Que nous recevions la grâce de te ili mwisho wa ibada pour qu'à la fin du culte kila mtu aliye wako arudi na nguvu. Que chacun de nous rentre avec la force. Sante maana kwako tutatosha ya lazima. Merci Seigneur car nous tirons de ce qui est important. Na yilio yako utatupatia kwa neno lako. Et tu nous donneras ce qui est ta parole. Mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Mettons-nous debout, tusimame. Yakobo 2 makumi na moja. Jacques 2 21. Ok. Kitabu cha Yakobo sura yake ya pili aya makumi na moja inasema: Baba yetu Abrahamu hakuhesabiwa haki kwa matendo wakati alipotoa mwana wake Isaka juu ya madhabahu. Unaona imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake. Na yakuwa imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yake. Maandiko yale yakatimizwa, Abrahamu aliamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa ni haki. Naye aliitwa rafiki wa Mungu. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. C'est vrai, c'est vrai. Et que par des œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu. Amen, amen. Et cela lui fut imputé à justice. Il le fut appelé ami de Dieu. Amen, amen. Ubariki neno lako. Béni ta parole, Seigneur. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Christ. Amen. Amen. Ah. Nous disons bienvenue ce matin. Tunasema karibu asubuhi hii. Dans la parole du Seigneur. Katika neno la Bwana. Dans le culte matinal. Katika ibada asubuhi. De ce dimanche. Ya Jumapili. Partout c'est l'adoration. Popote ni ibada. Si vous passez partout. Kipita popote. Ce sont des cultes. Ni ibada. Donc ne croyez pas que ce que vous faites c'est vous seul. Msiwazia kwamba mnalolifanya ni ninyi wenyewe. No. Hapana. Il y en a beaucoup qui font le même culte ce matin. Kuna wengi ambao wamefanya ibada kama hii. Ceux-là qui savent. Wale wanaojua. Il faut prier. Ya kwa wataomba. Il faut chercher Dieu. Watatafuta Mungu. Pendant que nous sommes vivants. Wakati tungaliki hai. Nous sommes des passagers. Sisi ni wapita njia. Nous sommes venus. Tulikuja. Nous avons un temps sur la terre. Tuna umda uliowekwa duniani. Après le temps. Baada ya hiyo. Nous devons aller dans l'éternité. Tutapaswa enda umilele. Nous devons aller vivre avec Dieu. Tutapaswa enda ishi pamoja na Mungu. Et ceux qui sont heureux d'avoir cru. Walioheri kuona waliamini. Chaque fois qu'ils sont entrés d'aller à l'église. Kila wakati waingiapo ibadani. Ils le font avec joie. Waifanya na furaha. Pourquoi? Kwa nini? C'est leur moment de communion avec Dieu. Maana ni wakati wao wa kushirikiana na Mungu wao. C'est le moment d'écouter les directives de Dieu. Ni wakati wa kusikiliza maelekezo ya Mungu. Sur comment faire? Juu ya namna ya kufanya? Comment vivre? Namna ya kuishi? Comment être mieux que ce nous sommes? Namna ya kuwa mzuri zaidi ya vile tulivyo. Et comment arriver à être des amis de Dieu? Na namna ya kufikia kuwa marafiki wa Mungu. Vous savez, mwajua, on peut être ami de tout le monde sur la terre. Waweza kuwa rafiki ya watu wote duniani. Mais la grâce d'être ami de Dieu. Bali kupata kibali neema ya kuwa rafiki wa Mungu. C'est incomparable. Hailinganishwi. Et le sujet de ce matin vient nous amener dans la même ligne. Inakuja kutuelekeza katika mstari huo. Les sept choses Mambo saba, dans la foi d'Abraham, katika imani ya Abraham, que le croyant qui sont ses enfants doivent aussi imiter. Ambao waamini, ambao ni wanawake, wanapaswa iga. Nous sommes les enfants d'Abraham.
Sisi ni wana wa Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Sisi ni wana wa Abraham. Galates 3:29 dit ceci. Wa Galatia 3:29 yasema hivi. Et si vous êtes à Christ, na ikiwa muko wa Kristo, ndania. Ikiwa muko ndani ya Kristo, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Ninyi ni uzao wa Abraham. Héritier selon la promesse. Wariti sawa sawa na ahadi. Quand nous venons de croire, wakati tumeamini, nous croyons, tunaamini, nous devenons enfants d'Abraham. Tunageuka kuwa watoto wa Abraham. Quand nous croyons au Seigneur, tunapoamini Bwana, dès le moment que nous venons de croire, tangu wakati ule tumetoka kuamini, commençons à marcher sachant que nous avons un père spirituel qui s'appelle Abraham. Tuanze tukitembea na kufahamu ya kuwa tumekuwa na baba ambaye ni Abraham. C'est pourquoi Diomana, nous avons intérêt d'être comme notre père. Tunayo faida ya kuwa sawa baba yetu. Nous devons imiter notre père. Tunapaswa iga baba yetu. Ce qu'avait notre père, yale aliyokuwa nayo baba les yetu. Qualités qu'il avait, tabia aliyokuwa nazo, ce sont les qualités que nous devons avoir. Zile tabia tunazopaswa kuwa. Et moi je suis allé très loin. Sasa, mimi nilifika mbali. Le verset que je viens de lire ici. Shairi ambayo nimetoka soma. Abraham fut appelé ami de Dieu. Abraham akafikia kuitwa rafiki wa Mungu. Comment il est arrivé là? Alifika hapo namna gani? Et ses enfants ne peuvent pas y arriver? Je, na wanawe hawawezi wakapafike? Si papa est arrivé à ce niveau, ikiwa baba alifikia kiwango hiki, et que nous le sommes par la promesse, nasi tuwe wana wake kupitia ahadi, nous sommes capables d'être les amis de Dieu. Nasi twaweza kuwa marafiki wa Mungu. Ne venez pas adorer avec un esprit de doute. Usije kuabudu ukiwa na roho ya mashaka. Venez avec un esprit d'assurance. Kuja na roho ya uhakika. Un esprit d'optimisme. Uhakika, roho ya kuweza. Nous ne sommes pas créés pour aller en enfer. Ya kuwa hatukuumbiwaka ili tuendake jehanamu. Nous sommes créés pour aller au ciel. Tuliumbiwaka ili tuendake mbinguni. Que le diable le veuille ou pas, Shetani akubali akatae. Nous sommes les enfants de Dieu. Sisi tuko wana wa Mungu. Et par conséquent, kwa sababu ya hiyo, je dois checker. Napaswa chunguza. Je dois vérifier. Ni chunguze. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Nini Abraham alifanya? Pour devenir l'ami de Dieu de sorte que moi aussi j'arrive à ce niveau. Kufikia kuwa rafiki wa Mungu kiwango nami nifikie hali hiyo. Sikia. Écoute. Kama ninaweza kuwa nakusanyika. Si je peux communier. Na nisifiki yake kukiwango chenye Mungu anataka. Et que je n'arrive pas au degré que le Seigneur veut. Au moins nisiamini. Vaut mieux ne pas croire. Kama minaweza amini. Si je peux croire. Na nisinyakuli wake. Que je ne sois pas enlevé. Au moins singi amini. Vaut mieux ne pas croire. Na kama minaweza itwa mwana wa Abraham. Et si je suis fils d'Abraham. Bia Abraham nisipataki. Que ce qui était Abraham je ne reçois pas ça. Manake siku wake. C'est que je ne suis pas fils d'Abraham. Mana kama tunafanana wa baba zetu. Mais si nous ressemblons à nos pères. Mapua, macho, kinywa. Et les yeux, la bouche. Tunafanana mwanadamu. Nous ressemblons aux humains. Tuitwe wana wa Abraham. Que nous soyons appelés fils d'Abraham. Kwa imani. Par la foi. Inabidi bia Abraham tukwe nani. Nous devons recevoir ce qui était Abraham. Tukishindwa. Si nous échouons. Tukishindwa fika pa. Si nous échouons d'atteindre ce niveau, wala tulidanganya kama tuko ba Abraham hatukuwapo. C'est que nous avons menti être fils d'Abraham. Wala benye balisema banataka tusaidie tupafikie bali tudanganya. Ceux qui nous ont trompés, qui vont nous faire arriver à ce stade, ils nous ont trompés. Mais hii Biblia ni ya kweli. Mais cette Bible est la vérité. Itafuatana na vile bataitufasiri. Ça dépendra de la manière dont on va vous expliquer la Bible. Na vile tutabijikamatamu. Et la manière dont nous allons nous comporter. Tukishindwa. Si nous échouons. Kufikia kiwango chenye Mungu anataka. D'atteindre le niveau que le Seigneur. Na tusifikie pale. Si nous n'y arrivons pas, hatuko wateule. Ne sommes pas des élus. Amen. Hatukutoka nyumbani kuja kucheza. Nous n'avons pas quitté nos maisons pour venir jouer ici. Hatukutoka nyumbani kuja kusalimiana. Nous ne sommes pas venus juste nous saluer ici. Non. Tumekuja. Nous sommes venus. Maana tunaamini hivi. Parce que nous croyons ceci. Tuko duniani. Nous sommes dans le monde. Tutamalizaka siku moja. Un jour nous finirons notre course. Tuko duniani. Nous sommes dans le monde. Dunia itakwisha. Le monde va prendre fin. Mupende musipende. Amen. Hata iwe tamu je. Même si vous sentez que c'est bon. Itakoma.
Ça prendra fin. Tumekuja. Nous sommes venus. Ili tujulishwe nini tufanye. Pour qu'on nous enseigne ce que nous devons faire. Kwa kupendeza Mungu. Pour que nous puissions plaire à Dieu. Ili atakapo angamiza ulimwengu. Pour que quand il détruira le monde. Tuonekane tumestahili kuwa naye. Que nous soyons dignes devant lui. Na tusipofikia pale. Et si n'arrivons pas à ce niveau. Tulijidanganya. Nous sommes trompés. Tukadanganya watu. Et nous avons trompé les gens. Na tukadanganya Mungu. Et nous avons trompé Dieu. Sasa tukajita wana wa Abraham. Nous sommes appelés fils d'Abraham. Na tusitafute kuyua Abraham aliishi na Mungu je. Et que nous ne parvenions pas à chercher à connaître ce qu'Abraham a fait pour vivre avec Dieu. Sisi tutaishi na Mungu je na hatutafutie pale. Comment allons-nous vivre avec Dieu si nous n'atteignons pas ce stade? Amen. 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 Melewana. Est-ce que nous comprenons? Nani pale wapendwa. Cela m'est bien aimé. Abraham muimani yake. Abraham dans sa foi. Alikuwa na vitu vyenye alikuwa nafanya. Il avait des choses qu'il faisait. Vyenye biliacha anasogea Mungu. Qui faisait qu'il se rapproche beaucoup plus de Dieu. Bikiacha nakuwa rafiki yake. Il était ami de Dieu. Na hiyo ndio haja yangu. Et cela notre souhait. Sitaki ishi na niko adui ya Mungu. Je ne veux pas vivre en état ennemi de Dieu. Niwe rafiki yake. Amen. Je dois atteindre le niveau Amen. D'être l'ami de Dieu. Je suis très 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 content de ce verset de Genèse 18-17. Et alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Je nitafisha Abrahamu yale naenda fanya. Abraham était devenu un ami intime de Dieu, frère. Abraham alikuwa rafiki wa kweli wa Mungu. Très intime. Pendwa sana. De sorte que Dieu sentait comme s'il a sa dette. Kiwango Mungu kajihisi kuwa alikuwa na deni yake. Dieu part détruire Sodome et Gomorrhe. Mungu alipoenda haribu Sodome na Gomorrhe. Il veut le faire en secret. Alitaka ifanya kwa siri. Mais arrivé en route, alipofika njiani, il commence à se poser des questions. Kwanza jiuliza, est-ce que je peux cacher Abraham ce que je vais faire? Naweza nikaficha Abraham yale naenda fanya? Mon ami, rafiki yangu, s'il apprend que j'ai fait des dégâts à Sodome sans lui avoir informé, il sera frustré. Maintenant, sasa, je ne peux pas lui cacher. Siwezi nikamfiche. Donc, un ami collé rafiki wa karibu à Dieu, na Mungu, que Dieu commence à se poser des questions. Kiwango Mungu anajiuliza maswali. Est-ce que je peux le cacher ou pas? Je, naweze nimfiche au la. Et Dieu dit, na Mungu akasema, tellement qu'il est mon ami, sana, je peux arriver à ne pas lui cacher ça. Siwezi fikia kumuficha. C'est comme ça que Dieu, comme son ami, ni hivyo Mungu sawa rafiki yake, a commencé à lui dire, akaanza kumwambia, Abraham, Abraham, je suis désolé. Na huzunika. Je dois détruire Sodome et Gomorrhe. Nita haribu Sodome na Gomorrhe. Hey. Kweli? Oui. Ndio. Oui, oui, je dois. Dio kabisa nitaiharibu. C'est irréversible, c'est décidé. Siwezi badilika na nilisha amua. Dieu lui dit. Mungu kamwambia. D'ailleurs, c'est ce que nous partons faire. Na kwanza ndio tunaenda fanya. Non, non, papa. Eti hapana baba. Tu vas tuer le mauvais et le bon ensemble. Sasa utangamiza wema na wabaya pamoja. Non, 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 non. Hapana, hapana, hapana. Maintenant, si tu trouves 50. Et sasa ukikuta huko watu makumi tano. Non, il y a pas de souci, je vais laisser. Usijali, sita haribu. On avance. Tuendelee. Abraham le regarde. Dieu était dans la chair. Mungu alikuwa katika mwili. On arrive, on fait quelques pas. Walipofika fasi flani. Abraham lui pose une autre question. Abraham kauliza Mungu ingine swali. Et si tu trouvais 50? Na sasa ukikuta huko makumi tano? Pas de souci. Hakuna shida. Et si c'est 45? Sasa wakiwa 40. Non, non, pas de problème. Hakuna shida hata hivyo. On avance. Wakaendelea. Je peux parler encore? Naweza nikakwambia tena. Oui, oui, pas de problème. Ndio nena hakuna shida. Et si c'est 40? Sasa ukikuta huko makumi ine? Non, non, je vais laisser. Hata hivyo nitaacha. On descend. Wakashuka. On arrive à 30. Wakafika kwa 30. On arrive jusqu'à 10. Wakafika hadi 10. Ni burafiki ya ndani. C'est vraiment de l'amitié sincère. Burafiki wa sana. C'est de l'amitié profonde. Na mimi nitapenda nifikie pale. Moi-même je souhaiterais arriver à ce. Kwenye Mungu atakuwa iko mbinguni. Là où quand Dieu est au ciel. Sa iko na panga yake. Je suis en train de planifier ces choses. Mais akumbuka Patrick iko Goma. Qui puisse dire Patrick est là. Na wewe vile vile. Amen. Mungu anakuwa anapanga vitu. Que Dieu planifie des choses. Mais anakuwaza. Et qu'il pense à toi. Sema lakini fulani. He is oh tell. Iko kule. Il est là. Ay 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 ay. Oh.
Ni mutu anafika kiwango cha kuingia mu mawazo ya Mungu. C'est quelqu'un qui arrive au stade où il entre dans les pensées de Dieu. Amen. Mungu anakuwa anafika ku niveau ya kukuwaza. Dieu pense à toi toujours. Binafika kwenye wewe na Mungu. Tu arrives au stade où toi et Dieu. Mungu mipango zake. Vous êtes sur le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Il est arrivé à 10. Akafika kwa 10. Et Dieu na Mungu lui dit, kamwambia, je ferai rien. Si tafanya lolote. Mais pour arriver à cette amitié. Lakini sasa kwa kufikia kiwango hiki. Qu'est-ce que Abraham avait été pour Dieu? Abraham alikuwa amekuwa nini kwa Mungu? Écoutez-moi. Sikia. Je vais vous dire une chose. Nitawaambieni jambo. Abraham était un païen. Abraham alikuwa mpagani. Abraham était de nation. Abraham alikuwa mataifa. Gardez ça. Mjue hiyo. Abraham n'était pas juif. Abraham hakuwa Myahudi. Ndiyo. Abraham n'était pas juif. Abraham hakuwa Myahudi. Abraham n'était pas israélite. Abraham huyu hakuwa Muisraeli. C'est mes pasteurs na changanyikiwa sasa. Ah, le passé finalement, qu'est-ce qui n'arrive? Oh, pas non. Non, non. Twende pole pole. Ok. Allons-y lentement. Huyu. Celui-ci. Ni Abraham. C'est Abraham. 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 Akazala Isaac. La venue au monde is Isaac. Isaac huyu. Isaac lui aussi. Akazala. La venue au monde. Batoto ngapi? Bawili. Deux enfants. Saül. Saül. Na Jacob. Et Jacob. Yakobo. Jacob. Lwa nakuya zala batoto kuminambili. La venue au monde est 12 enfants. Uyu Yakobo. C'est Jacob. Mana yake mse mabongo. Le trompeur. Sana gombana na Mungu. Lorsqu'il se bat avec Dieu. Joba namuita Israël. C'est là qu'on change son nom en Israël. Joba namupa jina ya Israël. On lui donna un nouveau nom Israël. Joba ligombana na Mungu akashindana. Parce qu'il avait combattu à Dieu, il était victorieux. Saba namushanje jina huko Yakobo tena wenjo Israël. Lorsqu'on avait changé son nom en Israël. Lwa nazala ba petit 12. Là il mit au monde 12 enfants. Aba ba 12. Les 12 enfants. Joba munakuya kupatikana na Joseph. Là il y avait Joseph parmi eux. Joba Rubeni. Le Ruben. Mule njoba na kwa kupatikana mule ndani. Amen. Aba ba 12. Les 12 enfants. Batoto ya Israeli. Les enfants d'Israël. Njoo kunatoka kabila la Israeli. C'est là qui est la tribu d'Israël. Kabila la Israeli. La tribu d'Israël. Maana yake wana wa Israeli. C'est-à-dire les enfants d'Israël. Bananza basema a partir ya Yakobo. Commence à prononcer ces mots à partir mais de Jacob. Avant Yakobo. Mais avant Jacob. Kabila la Israeli haliko. La tribu d'Israël n'existait pas. Avant Yakobo. Avant Jacob. Wana wa Israeli hawajulikani. Les enfants d'Israël n'étaient pas connus. Wanaanza waita wana wa Israeli maana ke wana wa Yakobo. On commence à appeler enfants d'Israël, c'est-à-dire enfants de Jacob. Abraham alishaka kufa kala wana. Pendant que Jacob, Abraham était déjà mort il y avait longtemps. Donc Abraham alikuwa ni mtu wa mataifa. Abraham c'était quelqu'un de gentil ou des nations. Kabila la Israeli naanza avec Jacob. La tribu d'Israël commence avec Jacob. Amen. 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 La communion 18 avril 57. Ujumbe unaoitwa ushirika wa tarehe 18 paragraph 62. Mtano na 7 mtaji wa city. Remarquez. Tazameni. Vous voulez venir en arrière et réfléchir. Tunataka aenda nyuma tutafakari. Paul se réfère ici à un personnage de l'Ancien Testament. Paulo anajielekeza kwa mtu wa agano la kale. Dans le livre de la Genèse. Katika kitabu cha Mwanzo. Prenons la vie d'Abraham. Tuangalie maisha Abraham. À partir du chapitre 12. Kutokea kwa pindi la 12. De la Genèse. Ya Mwanzo. Dieu donne la promesse à Abraham. Mungu kampa Abraham ahadi. Selon laquelle. Ambayo kuipitia. La semence juste viendrait par Abraham. Mbegu ya Kiyahudi ingetokana na Abraham. Et Abraham alors que beaucoup de gens croient qu'il était juif. Wakati watu wengi wanawazia Abraham alikuwa Myahudi. Il ne l'était pas.
Abraham était un gentil, un chaldéen de la ville dure. Et il est devenu un serviteur de Dieu, non pas parce qu'il était différent des autres, mais à cause de l'élection de Dieu. Eti lakini sababu Mungu alimchagua. Abraham alikuwa mkaldea. Abraham était un chaldéen. Amina. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui. Kwa mkaldea. Un chaldéen. Wafasi wanaita Uri. Ndio kuna pleur. Njoka mlima kakwabo. C'était la leur colline. Dio dio. Ile kila mtu kuna kakilima kwenye batate yake wanatokea. Comme chacun de vous a une colline où ses ancêtres ont. Amen. Alors, ça huyu, celui-ci, nani anakuja kutoka mwa hii kabila 12 ya Israel. Il sortit de ces 12 tribus d'Israël. Kama na wengine wote wenye batokane na Yakobo. Tous les autres n'étaient pas venus. Banakuja kuitwa banani wa mataifa. Ils sont appelés les gens des nations. OK. Même na wenye banatokana na Isau. Même ceux qui sortaient d'Israël. Haiko ba Israël. C'était pas d'Israël. Non, non. Amen. Même na Isau, Isau, ndugu yake na Yakobo. Le frère de Jacob. Njoba alikuwa kutoka mo ba Arabu. C'était les Arabes. Ma parti zote Isau na nakuya kuzala bakwake nabo banakuya kuchomoka mo ingine kabila nya haiko ba Juif. Njoba na mpaka leo Palestine na Israel ni mpum pum 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 pum. Pourquoi aujourd'hui Palestine? Pourquoi la Palestine? Palestine ni yabazali wa ba Isau na bele zingine mataifa. Ok. Amen. Ok. Et dit Dieu lui a fait grâce. Mungu kamupane ema. Pas parce qu'il était différent des autres. Si kwamba alikuwa tofauti na wengine. Mais parce que Dieu l'a élu. Bali Mungu kamchagua. Lui-même. Mungu mwenyewe. Pour qu'il soit son ami. Pour qu'il soit son ami. Parce que Dieu projetait dans l'avenir que de lui sortirait une race qu'on appellerait la race juive. De laquelle viendrait le sauveur de toute la terre. Maintenant, nous qui ne sommes pas nés de Jacob, nous devenons enfants d'Abraham par la foi. Parce que nous avons cru dans ce Christ qui est sorti d'Israël. Christ qui est sorti d'Israël. Christ aliyetokana na Israeli. OK. Sawa. Ça marche quand même. Nawaza mambo yanaendeka vizuri. Sawa. Vema. Sasa. Pole. Allons-y lentement. Aujourd'hui, je vais être rapide. Nous devons être rapides aujourd'hui. Parce qu'après Kilt, nous allons rester avec vous quelques 10 minutes. Tutabaki pamoja nanyi muda wa dakika 10. Nous allons discuter comment faire la construction de notre église. Tutaojiana pamoja ya namna ya kufanya majengo ya hekalu letu. Parce que maintenant la parcelle est là. Sababu kiwanja kimekuwa tayari. Nous devons maintenant raisonner comment construire et déménager. Ya fa sasa tuwaze pamoja namna ya kujenga na kuhama. Après la prédication. Kisha mahubiri. Vous allez rester à vos places. Mutabaki kwa nafasi zenu. Les visiteurs, wageni, s'ils veulent, wakitaka, ils vont rester. Watabaki. S'ils ne veulent pas, wasipopenda, peuvent aller, il n'y a pas de wanaweza souci. Enda, hakuna shida. Les petits-enfants, watoto wadogo, ils ne peuvent pas avoir une capacité d'aider à la construction. Ambao hawaweze kuwa na uwezo wa kusaidia kwa majengo. Ils peuvent aller. Wao wanaweza. Quiconque sait qu'il est capable de contribuer d'une façon ou d'une autre, il va rester de bonne foi, pas que je vous force. Yeyote ambaye anajikuta kuwa naweza kuwa na uwezo wa kuwa na mchango kwa njia yoyote ile, tafadhali abaki. OK, même ceux qui nous suivent en ligne, s'ils voudront aider, ils aideront. Na wenye kutufuata kwa mtandao ikiwa wana haja kutusaidia waifanye. C'est pas ma maison. Sio nyumba yangu. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu wabariki. Alors, Abraham, sasa, le Abraham, voilà. Yehuyu, il est là. Yehuyu, un ami de Dieu. Rafiki wa Mungu. Mais comment son histoire a commencé? Sasa, habari yake iliendelea na lisez Genèse 12:4. Musome Mwanzo 12:4. Écoutez ici. Abraham, d'abord il était Abraham avant. Kwanza mbele alikuwa anaitwa Abraham. C'est Dieu qui lui a appelé Abraham. Avant Mungu c'était Abraham. Alikuja kumuita Abraham. Abraham parti.
Abraham kaenda, comme l'Éternel lui avait dit. Sawa vile Bwana Mungu alikuwa amemwambia. Et Lot partit avec lui. Lot naye kaenda naye. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham alikuwa na miaka 75 alipotoka Charan. Bali muita. On l'avait appelé. Na iko na 75 ans. Pendant qu'il avait 75 ans. Dieu va na muita. C'est là qu'on l'a. Kuya! Viens. Wende na mie. Va avec moi. Wende kwenye mitenda kuonyesha. Va, je vais montrer un endroit. Hajui ni wapi. Il ne savait même pas où. Hajui bana mubeba wapi. Il ne savait pas là où l'amener. Tutabiona mudakika kidogo. Nous allons le voir dans peu de temps. Donc il est parti à 65 ans. Alienda kiwa na miaka 75 ans plutôt. C'est alors que Dieu l'a appelé. Ni wakati ule Mungu alipomwita. Et toute la vie d'Abraham était de 175 ans. Sorry. Toute la vie d'Abraham était de 175 ans. Lisons Genèse 25:7. Nous devons avoir toutes ces connaissances. Tu n'as pas choisi un membre haya yote. Genèse 25:7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Tazama, siku za miaka ya maisha Abraham. Il vécut 175 ans. Aliishi miaka 175. Abraham expira et mourut. Abraham kazea na kafa. Après une heureuse vieillesse. Akiwa na uzee wa heri. Âgé et rassasié de jours. Akiwa na miaka mingi na ameshiba siku. Il fut recueilli auprès de son peuple. Aka pelekwa karibu na taifa lake. Calculons. Tuhesabu sasa. La collaboration entre Dieu et Abraham a duré combien d'années? Ushirika wa Mungu na Abraham ulidumu miaka ngapi? 100. 100. Tunakuwa nasema mamusa sema ni 80, mais mwenzetu ni 100. Il y a ceux qui pensent c'était 80, mais pour lui c'était 100. 100? Miaka 100. Bana mwite kona 75. On l'appela quand tu l'avais 75. Jua na okoka. Et quand, c'est là qu'il fut sauvé. Avant 75, ni mupagani. Avant 75, ans, il était un païen. Ni mukaldeya wauri. C'était un chaldéen. Mukovu yake inaanza neko na 75. Son salut commença quand il avait 75. Collaboration yake na Mungu inakamata 100. Collaboration avec Dieu prit 100. Dieu n'enda kuwa 175. Là, il totalisa 175. Akaenda na nashiba miaka. Là, il vieillit. Na iko naambia Mungu. Et il disait à Dieu. Uko wapi nikufe? Où es-tu, Seigneur, pour que je meure? Bone mina kawia kwenda. Parce que je traîne de mourir. 100 ans de collaboration. Miaka 100 na ushi. Oh Dieu. Hey, Mungu. Je ne sais pas s'il me reste combien. Sijui nanibakia ngapi. Moi, je ne sais pas s'il me reste combien. Sijui mimi ninabakia na miaka ngapi. Pour que tu viennes prendre l'église ou que je parte. Ili uje kubeba kanisa na mimi niende. Mais mon souci. Haja yangu. Les peu d'années qui restent sur la terre ou pour moi doivent être des années de collaboration. Miaka michache inayobaki nayo kuishi iwe ni miaka ya kushirikiana na Mungu. Si c'est 15, ni 15, si c'est 2, au miwili, si c'est 1, au moja, si c'est so de moi, ni miezi, si c'est 20, kama ni makumi mbili, je ne sais pas. Si tu, mais ma prière, ombi langu, une année, deux, trois, combien moja, mbili, tatu, de collaboration. Iwe ya ushirika na Mungu. À quoi bon de vivre sans Dieu? Ni faida gani mtu aishi bila Mungu? Vivre sans Dieu. Unaanza ishi sawa nyama. Tu commences à vivre comme un animal. Haujue Mungu. Tu ne connais même pas Dieu. Hakujue. Dieu ne te connaît pas. Mimi nakupata Mungu habijue. Tout ce qui t'arrive, Dieu ne sait rien. Na sasa unakufa na Mungu hayo kama mtu alienda. Et quand tu meurs, Dieu ne sait même pas qu'il y a quelqu'un qui est parti. Mawa. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Sikia sasa. Tout ce qu'il a fait. Yote aliyofanya. Il avait cette chose. Alikuwa na mambo saba.